d'après la promesse, hein, faut que je te mette une balle dans cet épisode. Non, non, t'as dit à la fin du jeu. T'as menti. T'as menti à la fin du dernier épisode. Oh là là, je sais pas si je pourrais en résister jusqu'à la fin. Ah ouais? Bah, crois-moi, t'as pas le choix, hein, sinon ce qui va t'arriver. De toute façon, après, t'as dit que tu voulais faire un 100%, donc dans tous les cas, si je te mets une balle à la fin du jeu, je vais me faire matraquer. Les gens ont essayé dans le premier Let's Play. Ils sont tous morts jusqu'au dernier plein de fois, donc attention. Oh, camp de cannibale. Ça a testé le pont. Et on a déjà testé. Je m'en fous, je vais mettre des balles. Le mec, à chaque fois, il veut tester le pont. Dans ma première partie, j'ai pas assez testé le pont parce que j'ai donné à Virginia. Maintenant, je veux. T'as raison. Par contre, tenir le pont à une seule main, je suis pas sûr. Machette. Voilà. Petite corde, des os, batterie, des champignons. Petit coup d'Amérique dans leurs dents. Ah, un goût d'Amérique. Le coup. Oh là là. Le coup et le goût. Ils ont dit qu'ils voulaient voyager. Ouais, bah ouais, on leur offre, hein. Regarde. Oh, j'aime taper dans les fesses des cannibales des grottes. Ouais. Non, mais genre les taper. Et pourquoi? Mais genre, ils sortent les cannibales des grottes et. Ouais. Ou je pense, il y en a qui arrivent peut-être à aller dehors. Dommage qu'on rencontre pas des mutants vraiment dehors en fait. Si c'est comme The Forest, on en trouvera à partir de la nuit 10. Hein. Ouais. Et je crois, oui. Ouais, je pense que c'est comme ça. Hein. Je pense pas qu'ils enlèveraient une mécanique comme ça du jeu. Oh, est-ce que toi ton Let's Play The Forest, tu me souviens plus, tu l'as fait jusqu'à l'épisode 50? Épisode 50. T'es arrivé au jour 50? Non, non. Parce que jour 50, il y a un nouveau mutant dans le jeu. Ouais, je sais, c'est dégueulasse en plus, mais il est hardcore surtout. Moi, une fois, j'étais allé avec un pote à l'avion, dans le 1. Mais il était là, il a spawn. Petite séance d'archéologie. De toute façon, on va découvrir un dinosaure, hein. Ouais, let's go. On a changé de jeu entre temps. Son of the Ark, hein. Ouais. C'est ça, ouais. Oh, il y a un truc. Oh, je vais t'aider, hein, parce que c'est long, hein. Mais toi aussi t'as été long. Est-ce qu'on peut frapper un indigène avec l'appel? Ouais. Oh oui, il est là le bunker en fait. Oh bah, moi j'ai eu un titre creusé sans trou. Voilà. Nickel, waouh. Bien sale. Maintenance. Ah, et on va trouver la carte, non? Du coup de la maintenance. Y a des cartes dans certains bunkers mais pas dans tous. Qu'est-ce que tu fais toi, cannibale de merde? Ouf. Ouf. Hop là, il est mort. Je descends moi. Il avait pas qu'à s'approcher. Je descends. Par contre, on en parle qu'on a toujours du sang sur les mains. Oui, c'est. Mais t'inquiète, c'est normal. Ouais, il y a un robot, il y a un aspirateur. Incroyable. Essaye de le taper. Bah, je l'ai tapé, mais il est pas. Il s'est pas pété. Ah oui. Très résistant comme aspirateur, j'aime bien. Il résiste au coup de hache. Ouais, c'est ça. Oh putain, il y a des bébés. Oh. Mourez. Mais il y a un truc là. Waouh. La radio. Radio. Reste appuyé pour la désactuer. Mais il y en a pas, il y a pas de radio. Oh. Oh, j'ai fait un truc. Il y a un truc intéressant là. Moi j'ai trouvé un truc très intéressant. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Oh, une carte. Ici. J'ai trouvé une carte. Non. Ah ouais, badge d'entretien. Ok, là j'ai ça. Oh, et regarde, l'imprimante 3D. Ouais, t'as vu? Je sais pas ce que ça fait. Bah en gros, tu peux imprimer des choses en 3D. Trop bien. Regarde l'imprimante et appuie sur R. Non, le PC, appuie sur R. Ah, ouais. Regarde, tu peux switch les objets. Non, moi je peux pas. Non, mais regarde, tu regardes le truc et normalement, t'as marqué E, t'as marqué AR. Moi j'ai pas, non. Ah, mais regarde le PC. Et je sais. Tu vois pas en haut à gauche du PC A, R? Non. C'est que tu regardes pas le PC. Mais si. Ouais, tu... Bon, attends, décale. C'est quoi le monde? Oh là là. Moi, y'a pas marqué, hein. Tu verras sur le rec, y'a pas marqué. Ah, j'adore cette musique. I'm ever be your father. Regarde, t'as ton traîneau qui est en train de se construire. Le traîneau. Et ça, c'est l'équivalent de la carapace de tortue dans le 1. Oh, waouh. Tu peux mettre ton truc d'imprimante 3D pour que moi aussi je puisse le faire. Ah là c'est bon, là je le vois. Alors, et là attends. Regarde, tu regardes l'imprimante 3D, t'appuies sur E. Ouais, je te fais un traîneau du coup, c'est bon. Ah merci. Ah mais il y aura pas assez. Bah ouais, il y a un nombre, genre tu peux regarder, il y a un nombre dessus. Ah merde, et ça se régène non? Non, en gros tu regardes l'imprimante et tu devrais voir un petit E en bas. Oh, j'ai trouvé un peignoir. Je me suis mis en peignoir je crois. Ouais, oh trop stylé. Hop, petit médoc, et il est dégueulasse lui. Ça devait être le propriétaire des lieux, je pense. Oh, ça faudra qu'on le mette à Kelvin, hein, le vêtement là. Ah oui, tac, tac, tac. Et tac, regarde, tac. Ouais. Ouais, pour mettre dedans, tu regardes l'imprimante 3D, et après t'appuies sur E. Et là maintenant, j'ai plus besoin de lampe pour réactiver mon pistolet. Je crois que j'ai trouvé du truc pour réactiver l'imprimante. Ouais, mais regarde, tu vois, normalement t'as un petit bouton E qui apparaît pour remettre. Ah, c'est sur l'imprimante? Sur l'imprimante, ouais, directement. Ah, faut regarder un endroit spécifique ou... Non, tu regardes l'imprimante. Bah non. Attends. Ça marche pas. Et t'as trouvé la hache, du coup? La hache? J'ai peut-être trouvé, j'ai fouillé cette zone. Regarde, ici, là. Ah, là, waouh. J'ai failli passer à côté de ça. Elle est bien, celle-là? Attends, je vais dire, parce que quand tu passes à souris, dessus, tu peux voir les stats. Fais plus de dégâts, mais t'as plus lentement que la hache moderne. Mais attends, juste ouvre ton inventaire et regarde. Ouais. Tu vois le craquant croquant. Regarde, la valise rouge. Oui. Normalement, à la gauche, t'as un truc
à gauche de la valise rouge. Oui. T'as de la résine si t'en as. Il y a les craquants croquants là, les céréales. Ouais, je les ai, la ouais. La casserole. Ouais. Et au-dessus, t'as peut-être de la résine. Ah non, j'ai pas. C'est pour ça que ça marchait pas. Bon bah, super bien ce bunker là, j'aime bien. C'était celui-là que tu voulais faire à la base? Ouais, c'était celui-là. Ok, bah du coup, on fait quoi maintenant? On peut aller voir un autre bunker. Bah sinon, on tourne à celui-là où on était pour activer la maintenance, non? Bah, on a le badge d'entretien, donc je crois que c'est celui pour le bunker où on était. C'est pas toi, mais moi j'ai la flemme d'y retourner à pied. Pareil. Oh Kevin. Il a failli se prendre la voiture. Il y a un chemin, je vais me contenter du chemin. Tu sais, tu te souviens où c'était? Ouais, bah sur le GPS, sur le dézoom, il y a un petit logo nourriture. En fait, avant, les bunkers avaient pas de trucs personnalisés, maintenant ils en ont. Oh, tu t'es amélioré en conduite, c'est bien. T'as vu? Ah non, j'ai rien dit. Je pensais qu'on passait. Mais waouh. Dans les commentaires, dites si je me suis amélioré ou pas. Bon, là, il y avait littéralement un chemin. Le jeu me dit de le prendre. J'ai roulé sur un petit écureuil ou je sais pas trop quoi. Et t'es content en plus, hein? Hein? Ah ouais. Tu veux le dire, hein? J'adore rouler sur les animaux. Ah ouais. À ton avis, qu'est-ce que je fais dans la réalité? Ah ok, ça marche. Hop, et là, ça a été 10 fois plus rapide que si on allait à pied. Eh oui, on a appris à conduire entre temps. Je me suis amélioré, il n'y a pas trop d'arbres par ici. Bah, la hitbox de la voiture, vraiment. Oui, c'est ça. On y est là, non? Oui. Wow, demi-tour. Demi-tour. Et toi tu cherches la merde. Attends. Mais il y a des mutants. Oh putain. Je sais même plus c'est quoi la touche pour mon pompe. Ok là. Bonsoir. Oh, il prend le 1000 pouces le gros. Bien. Ah bah j'ai plus tel 1000 pouces. Oh non. Voilà. Le gros est mort. Oh bah y a plus personne. C'est dommage. Bien, on dépasse le 1000 pouces. Vas-y. Le gros, il a fait quoi avec le 1000 pouces? En gros, il l'a attrapé comme ça par le cou. En fait, je sais pas si t'as déjà vu, mais ils ont une animation où ils prennent les cannibales par le cou, si, il les lance sur toi. Mais le 1000 pouces, il a pas de cou. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il a attrapé le 1000 pouces avec une animation bizarre et il a voulu le jeter, mais je lui ai mis une balle. Comme ils font chérie et leur femme, elle est morte. Oh, je m'attendais à un autre truc. Oh, je suis choqué. Let's go! Mais du coup, on y était là? Non? Ah oui, on y était? Coincé sur un tout petit rocher. Oh, il pleut d'ailleurs, je crois que c'est la première fois dans le let's play qu'il pleut. Ouais, mais c'est pas grave, on a le masque à oxygène. Son of the Subnautica. Ah, j'ai bien aimé matraquer ce village. C'est pas toi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le pompe. Hop, allez, on descend. Parti. Hop, je recharge. Encore une fois, c'est nous. Je sais exactement ce qu'on va trouver ici. Bon, je me permets, j'ouvre la porte. Vas-y. De toute façon, je te laisse faire ce genre de truc pour, pour les viewers. Alors, attends. Hop, la petite carte, regardez ça. Mais voilà. Oh, c'est une serre. Il y a des plantations. Oh non, des je salades. Sais c'est quoi ce bunker. Oh, on va canner dans ce bunker. Heureusement qu'on a le pompe. Tiens. Heureusement qu'on a le pompe. Hein. Il maltraite les bébés. Mais sa serre, elle est. Mais c'est toi, t'as dit tu kiffes donner des coups dans les bébés. Je n'ai pas dit ça. Oh, mélange énergétique. Le fou, mélange énergétique. J'ai pas dit ça, j'ai sous-entendu. C'est ça. Bon, on va trouver l'arc au bout d'un moment ou merde? Eh, juste passe entre les serres, hein, parce que des fois il y a des objets. Et je trouvais des trucs pour l'imprimante. Oh, pardon. Voilà. Attends, je rêve ou tu m'as mis une balle de pompe? Y'a moyen, ouais. Ah, tu vas voir, toi tu vas. Bon, en tout cas, 4 balles de pompe, il meurt pas. Tu m'as encore menti. Je mange, voilà. Je sais. Regarde comment je l'ai maîtrisé. Ah, de l'eau. Ah non, y'a pas d'animation. Oh, bunker. Encore. Une piscine en fait, c'est une piscine. Attends, je crois qu'on a raté un truc. Hein. Okay. Là, ça fait peur quand même d'être tout seul. Hein. Y'a rien ici. Hein. Mais on est arrivé dans les backrooms en fait là. C'est une dinguerie. Attends, j'ai même pas vu, y'a un gars coincé dans la serre. Mais. On est dans les backrooms là. Je reconnais là. Regardez ça. Et oui, voilà, on a raté l'arbalète. Oh non, je la récupérerai après, c'est pas grave. Et en plus, y'a que dalle. Y'a que dalle ici, y'a que dalle. Non, c'est la résine imprimante. Alors je réutilise la carte. Oh, je peux pas. Et d'ailleurs, dans la pièce, on va voir. C'est trop stylé en tout cas. Hein. Ah oui, il y a une pièce là. Waouh. Alors, une nouvelle localisation. Ça, on s'en fout. Et regarde les écrans. Et je crois que j'ai pris le truc en question, non? Ah non, c'est bon, c'est là. What? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tous les cannibales qu'il y a. Alors pour la petite explication, c'était une réunion entre milliardaires et ils se sont transformés en cannibales d'un coup. Wow. Voilà, dinguerie. Donc les gens, en fait, les cannibales, c'était des gens avant, voilà. Ouais, comme dans le 1. Exactement. J'ai encore une expérience qui a mal tourné. Écoute, je vais récupérer l'arbalète en deux spies. Ah. Et regarde entre les serres. Waouh, j'ai trouvé. Waouh. Ah, nice. Voilà, dinguerie. Ok, ça marche. Elle est stylée. J'aime bien.
Là, on est suréquipé, hein. Bon, par balette, les haches, machette. Bon, j'arrive aussi vite que possible, je suis déjà sous l'eau. On va sauvegarder ici parce que je sais ce qui se passe après. Ok, t'as pas ouvert la porte encore. Non, non, j'ai pas ouvert, t'inquiète pas. Nickel. Toi, tu sais ce qu'il faisait ici du coup ou pas? Enfin, en soi, c'est pas précisé ce qu'il faisait. Ah, si, si. Dans la salle après, si, je dis de la merde. On saura ce qu'il faisait dans ce bunker là. Quand ça? Dans la salle qu'on va ouvrir. Oh, let's go. Ok, je suis là. Let's go. Oh, t'as posé une tente. Bah ouais. Waouh. Ok. Il sauvegarde. Yes. Hop là. J'ai la Mastercard. Waouh. Oh oui, il y a une cinématique. Attends, moi j'allais éliminer les autres cannibales. Pendant que toi tu fais la cinématique. Waouh. Je me cache et tout. Oh, il y a des vrais gens là-bas, non? Non? What the fuck? Je comprends rien à ce qui se passe, les gars. Oh, c'est Puffton. C'est Puffton. What? Les Puffton, mais ils sont morts. Ils sont bien morts. Oh, ouais, la grand-mère, elle fait mal. Pas une grand-mère, bah, ça. En même temps, c'est pour rien qu'ils ont le statut mini-boss. Hein. La rapidité de Speedy Gonzales, ce truc. Non, putain. Et là. Maltraitance, je sais plus comment on dit là. Non, c'est bon, y a plus. Conjugal. Attention, là. J'arrive. Ça va péter. Moi, je l'ai fait goûter à mon pompe. Hein. Ok, là, ça va péter là. Ça va péter sec. Y a un Puffton dans ta race. Ah, la grand-mère est énervée. Je suis mort. Ça fait mal la vieille. Ouais, de fou hein. La vieille. Fais gaffe hein, parce qu'elle peut t'attaquer. Fais gaffe parce qu'elle peut t'attaquer. Oh tiens. Surtout fais gaffe à mes balles de pompe. Attention. Tiens la vieille. Prends ça. Bon bah les Puffton sont bien décédés en tout cas. Attention. Wow. Où est-ce qu'elle est? Wow. Mais elle fait. Eh, mais ça c'est un mob de Resident Evil normalement. Ah ok c'est bon. Elle était dégueulasse. Vas-y on la découpe. Vas-y dépeuse. Elle était dégueulasse. Choqué. Regardez ça. Donc pour la petite info, tous les mobs qui donnent deux armures sont considérés comme mini-boss. Wow. Donc là on vient de combattre deux mini-boss en même temps. Oh, il y a un 1000 pouces assis, tu sais. Regarde, là ça c'est un des mutants qu'on peut trouver que dehors. Ok, trop stylé les gars, vraiment. Il y a un mutant de chaque type autour de cette table. Putain, j'ai utilisé quasiment toutes mes balles de pompe. Barbara Puffton. J'aimerais donc pas. C'était la mère. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Hein. Hop, je mange un petit truc. Ça donne faim de se battre. Hein. Surtout que toi tu t'es fait matraquer. Moi j'ai pas pris de dégâts sur la vie avec mes armures. Ouais, moi je me suis fait défoncer, j'ai même pas d'armure. Edward Puffton, le père. Eh, t'as eu de la chance, hein. Parce que moi je les ai. Tu sais, il y a des cannibales des grottes, je les ai matraqués avant que la cinématique. Enfin, que la cinématique s'arrête. Ok, il y avait un chrono et tout, mais il y avait quoi? C'était une fête ou ils savaient qu'ils allaient se transformer ou... Ouais, c'était une fête. Donc ils savaient pas qu'ils allaient se transformer. Les Puffton, c'était manigancé, non? C'est manigancé, moi je pense. Non, ils savaient pas. Ouais, mais je pense que c'est manigancé. Enfin, mais on comprendra comment ils vont se transformer à la fin. Ouais. Bah écoute, d'accord. C'est tout ce qu'il y avait ici, de toute façon, je pense. Et une robe, je crois. Trop stylé. Il y a un truc ici, oui, surtout. Là, on peut sortir, non? Ah oui. Ouais, il y a des gars qui ont plongé. Ah, c'est par là la sortie. Oh, bah voilà, les trucs des Puffton, c'est fait. Pardon, monsieur. Pardon, il est dégueulasse. En soi, là, en vrai, est-ce que tu veux faire tous les bunkers? Parce qu'il y a des trucs genre le katana. Ah, le katana, oui. Katana, oui. 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 Donc, on va faire tous les bunkers. En vrai, là, il reste pas tant de gros bunkers que ça. Aïe, sauf qu'il faudrait venir parce que je vais mourir en fait. Ah voilà, bah oui. Je sais même pas utiliser une arbalète, c'est violent. Tu sais pas jouer, c'est aberrant. Ta gueule. Ah, c'est le bâtard. Je crois que j'ai. C'est parce que j'ai pas de carreaux en fait, je crois. Si, on en a chopé plein. Ou la combiner avec des carreaux. Mais peut-être. Faut la recharger entre chaque tir. Bah, je sais même pas où ils sont les carreaux. Moi je suis en train de fight des bébés. Hein. Les bébés qui font un bruit horrible quand ils meurent. Allez, c'est parti. Hop. Du coup, je pense que ça doit être la fin là. Vu comment c'était grand déjà. Et vu que surtout on est tombé, il y avait pas d'aller-retour. Let's go. Fort sympa ce petit bunker. On sort où? Je ne sais pas. Ah oui, ok. Surtout, on rentre pour dormir. De toute façon, on sera pas agressé. Ok. Ça, c'est la petite technique quand on sort d'une grotte qui fait nuit. Tu rentres dans la grotte, tu dors. On dirait, tu sais, ils attendent juste que tu sortes. Ils savent que t'es là. Ils ont entendu les cris des cannibales en train de crever. Il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on aura rien le temps de faire en 10 minutes. T'es sûr pas un dernier petit truc en 2 spi pour combler? Déjà, ouais, ça va être attaqué en 2 spi. Oh, il galope. Oh, je l'ai décapité. Oh, pardon. Attends, moi j'adore l'arbalète. J'ai buté les cannibales avec. Surtout qu'elle est très cheatée. Tiens. Putain, toi, je tue les femmes. Entre Batman qui jette des pierres sur les gros, c'est toi qui tue les femmes. Yo, allez. Ouais, les gars, c'était tout pour ce petit épisode de Sons of the Forest.
La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera, Tommy? Bah, des bunkers jusqu'à la fin du jeu. Hein. Voilà. Jusqu'à découvrir le fin mode d'histoire et voir le boss. J'ai hâte de voir le boss du jeu, le boss final. Il y a deux boss, il y a hein, à la deux fin. Boss, super. Voilà. Sur ce, les gars, c'était DoH. Bye tout le monde.